Salut à tous, ici Révo et bienvenue pour cette nouvelle vidéo les amis. Où vous le voyez, je ne suis pas seul, je suis avec Yann Baudigère. Salut mon pote. Salut. Comment tu vas? Très bien et toi? Ça va super, je suis vraiment très content de te recevoir chez moi pour cette vidéo. Honnêtement ça fait plaisir les amis, j'ai avec moi le fameux buteur toulousain. Le buteur sauveur, le buteur maison. Voilà, ça fait plaisir honnêtement. Plaisir, je suis très content, mais vraiment, de te recevoir chez moi pour un défi sur FIFA 16. On va donc s'affronter tous les deux à FIFA. À ce qui paraît, t'es un bon petit joueur. Hein, à ce qui paraît. Avoir, hein. En tout cas, c'est ce qu'on va voir, les amis. Voilà, donc on va s'affronter. Montpellier-Toulouse. Montpellier, c'est moi. Hein, et Toulouse, c'est lui. C'est normal, il va jouer avec son équipe et son joueur dans FIFA. Ça, c'est la classe. Hein. Sur le banc d'abord. Hein, ouais, un peu sur le banc. Le dire. Mais hey, quand même, faut avouer, c'est la classe. Avoir son perso dans FIFA, même c'est moi, j'en rêverai. Hein. Et sinon, alors la petite question, juste avant de commencer le défi, ça fait quoi de marquer un but qui a permis à ton club, à ta ville, de se maintenir en Ligue 1? Non, ben, ça fait vraiment plaisir. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail qui se concrétise pour le club, pour l'équipe, ouais. Et voilà, pour tout le peuple toulousain. Mais voilà, ce que je te dis, c'est pas que moi, c'est tout ce travail. Ah ouais, bien collectif. Sûr. C'est sûr. Et en tout cas, c'est vrai qu'honnêtement, même moi, j'en ai eu des frissons de chez moi. C'est un but magnifique. Mais et quand même, il faut avouer, hein, on a vu que dans ta frappe, il y avait un petit air de Révo. Ouais. Hein, je sais pas si vous avez vu son but. D'ailleurs, les amis, on va le mettre maintenant. Voilà, un but magnifique, coup franc, pleine lucarne. Mais c'est moi qui t'ai tout enseigné quand même, il faut. Je me rappelle, hein, quand on jouait ensemble, fou là là. Quand on jouait ensemble, cette patte là, David Beckham. Voilà. Hein, ouais. Je me vante pas, c'est lui qui le dit, c'est le pro qui le dit, donc les amis, c'est comme ça. Voilà, donc si vous êtes chaud, ben maintenant place au jeu, place au match. T'es chaud? Ouais. Alors c'est parti, on y va. Let's go pour ce Montpellier-Toulouse. Le choc des régions. Voilà, tout simplement. Le choc de la région, Languedoc-Roussillon. Ça fait plaisir. Bonne chance à toi, bon match, que le meilleur gagne. C'est parti. C'est parti. Allez alors, par contre il pleut. C'est pas vraiment le temps qu'on a ici, hein, la pluie. Je sais pas si vous, chez vous les amis... Attention quand même, allez, À qui? Je sais pas, tu... Oula. Tu te concentres pas, tu parles mais... avec tes mains comme ça, fais attention. Mais, tu vas voir que là, il y a du niveau. Hein. Là... Aïe. Attends, c'est pas toi, oui. Ça passe frappé. Ça passe au-dessus. Ça va, on est tranquille. Pas de soucis. On est bien. Et est-ce que tu te trouves aussi beau gosse qu'Amoury? Non, franchement, en plus, il va même pas faire de ligne. Ouais. Je suis déçu un peu. Un peu déçu. Ouais, mais bon. En fait, on dirait pas moi, tu vois. Ouais. Donc. Mais attends, tu vois, tu parles beaucoup. Ouh bah, j'avoue que. Ouais. Tu connais pas mon camp en fait. Attends. C'est un peu ça, non? Alors attendez, parce que si le mec commence à m'apprendre à jouer à FIFA, je crois qu'on est pas sorti de l'auberge. Aïe. Oui, le contre. Ça y est, ça part de là. Ça part de là, les amis. Et voilà. Et voilà, vous le savez. Vous le savez, il y a but. Non, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis... Oui, oui. Tire. Moi. Quel arrêt. Quel arrêt du gardien. Eh, avoue que là, t'aimes. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est de frappe là. Quelle défense hein. La défense montpellierienne, ça c'était moi, ancien défenseur les amis, vous le savez. Non, c'est un menteur. Quoi? Il était un peu plus sur le banc que défenseur. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit ça, mais en fait, c'est moi qui joue tout le temps. Impressionnant, un peu dégoûté. J'ai la larme. Alors, est-ce que le perdant du match aura un gage? Bah attends, je marque et on voit ça. Ah, poteau. Oh mais écoute. Ah oui. Allez. Oui. On approche de la mi-temps, hein. On approche de la mi-temps, toujours ce score de 0-0 les amis. Tiens, je vais regarder Yann Baudigère. Je pensais que c'était toi qui allais tirer. Ah non mais c'est pas Montpellier. Ouais je sais. Second poteau. Et le but. Est-ce que vous le voyez là derrière les amis? C'est tout. Après, moi je veux pas trop parler. Allez, donc c'est parti les amis.
Deuxième mi-temps, c'est là que tout va se jouer. Alors, est-ce que Yann Bodiger va revenir au score? Ou est-ce qu'il va prendre une touille? C'est ce qu'on va voir. Ça le fait. Oh, ça joue bien. Oh là là! Franchement, arrêtez-moi. On vous pousse. Oh là 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 là, mais arrêtez-moi tout de suite, les amis. Je supporte pas ça. Les arbitres qui sifflent rien. C'est qui ça? Ben Yedder. On va le tacler, on va lui mettre un tacle. Non! Sans quartier! Non! Hors jeu? Ah oui, hors jeu! Oh la chatte! Oh, ça fait plaisir. Ça part de là, l'action parfaite. Oh, oh le petit pain, je crois que c'est toi hein, qui a mangé le petit pain. Non, non. T'es sûr? Ouais. T'es, je pensais que c'était toi. Ça me rappelle tellement de bons souvenirs quand c'est moi qui t'en mettais. Non, il va pas le mettre. Je vais le déconcentrer. C'est bon. Sors là! C'est bien ça, les gars! Et là, on va le mettre au droit. Là. Oui! Qu'est-ce que vous voulez? Je me fais déconcentrer. Alors, les amis, regarde. 2-0. 2-0, c'est tout, fait. Je sais pas, moi. Tu veux qu'on se passe sur la bise, peut-être? Non, 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 ne me touchez pas pendant moi. Surtout si je perds. Il est dégoûté. Il est dégoûté. J'ai appris à jouer avec les meilleurs, voilà, de là, ça me fait un super boulette. Hop. Tu restes là. Oh là 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 là, mais. Mais voilà! 3-0, Fanny. J'arrête. Il est dégoûté, là. Il faut vraiment mettre 3-0 à un joueur professionnel. Honnêtement, je suis comme ça. Je sais pas si vous voyez mes biceps, mais là. Alors moi je m'appelle LeBron James. Là c'est nous. C'est pas là, moi, il y a le mode. Oh là là. T'as pas un masque si tu veux, j'ai des masques pour se cacher. Ouais, je vais y aller là. Ouais, parce que, oh. Tu vas y aller, c'est l'heure. C'est vrai que ouais, c'est tard. Ouais, c'est tard vrai. Un peu. Hein? On va arrêter là. Hein? Hop. Tu préfères arrêter là? Ouais, ouais. 3-0. 3-0. Les amis, je suis déclaré grand vainqueur alors. Est-ce que tu veux prendre un gage ou pas? Non. 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 Allez, je vais être gentil, je vais pas lui faire de glage, les amis. Mais en tout cas, si on fait une prochaine vidéo, la prochaine c'est tétrasé. C'est bon, mais je l'ai fait il y a pas longtemps là. Ah bah tu le referas, ou alors tétrasé et repoussé en blanc. Rouge. En rouge. En rouge. Repousse en rouge. Rouge. Ça va. Voilà les amis, c'est donc la fin de ce défi, remporté par moi, bien sûr. Hein, parce que je l'avais dit. Vous avez c'est gagné, hein, les gars, je vous le dis. C'est lui qui me l'a dit au début de la vidéo, il m'a dit. Faut gagner 3-0, c'est mieux. Okay. Alors en tout cas on a une surprise pour vous les amis. On a des maillots de Yann Bodiger à faire gagner, des maillots officiels. Alors celui-là il a été joué contre Paris, c'est ça? Oui. T'es un but. Oh, il sent Zlatan. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Donc les amis, pour tous ceux qui veulent remporter des maillots de Yann Bodiger dédicacés, eh bien il vous suffit d'aller liker sa page Facebook Yann Bodiger, page certifiée. Et son compte Instagram, Yann Bodiger aussi, certifié là aussi, hein, les deux. De toute façon, on va mettre des posts, tout se trouvera en description. Voilà, donc pour tous ceux qui veulent des maillots, enfin du moins, il y a un concours pour en gagner deux. Un sur Facebook, un sur Instagram. C'est sur ces réseaux sociaux, les amis. Voilà, donc vous n'hésitez pas. Et puis pour tous ceux qui veulent le suivre au passage, allez-y, faites-vous plaisir. C'est une étoile montante, j'ai envie de vous dire honnêtement. Hein. Bon, c'est vrai que là, je... Hein, comme peu, on dit, un petit peu. Mais après, voilà, ça fait plaisir, on s'est connus depuis tout gamin. Et honnêtement, de le voir moi à Ligue 1, c'est... Honnêtement, ça fait plaisir. Hein. Ça fait plaisir. Bon, j'espère en tout cas que ça va continuer comme ça et que... Pour toi aussi, hein, je vois que... Comme on dit, Inch'Allah, un spécial dédicace à tous ceux qui font le ramadan au passage. Mais voilà. Mais en tout cas, ça m'a fait super plaisir de te recevoir aujourd'hui. Donc, défi suivant peut-être dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quelques mois. Hein, sur un vrai terrain. Allez, voilà. Pourquoi pas, j'accepte. Voilà. Je viens à Toulouse, je mets les crampons et je te mets la misère. C'est bon. C'est bon. Okay. Et celui qui perdra, cheveux rouges. Parfait. Pas de soucis. Comme tu veux. Les amis, n'hésitez pas en tout cas à liker, commenter et partager un maximum de fois cette vidéo. Je veux un maximum de pouces bleus pour lui, honnêtement. Grimand, faites-moi péter d'avoir des likes. Ça me fera juste plaisir. Et à lui aussi. Et on se donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. Merci à tous et à la prochaine. Salut mon pote. Ciao.